Bonjour à tous, bienvenue sur les plateaux de TV et Radio Yovi. Donc nous venons de terminer notre réunion de réveil, la dernière de l'année qui s'est très bien passée. Bonjour ma sœur. Bonjour. Quel est ton prénom ? Aline. Aline, donc je sais que ça fait depuis un bon moment que tu suis le Seigneur. Combien d'années ? Ça fait 3 ans déjà. Très bien, et tu nous viens d'où ? Je viens d'Amiens. Amiens. Ouais. Il y a une bonne assemblée là-bas, hein, c'est ça ? Il y a une assemblée qui commence à se former petit à petit. Gloire à Dieu. Et donc, tu as participé à la réunion de réveil d'aujourd'hui. Mmh. Peux-tu nous dire un peu quel était le thème de du message ? Le thème du message, enfin, je vais plus. Est-ce que ça dérange si je dis plutôt ce que moi j'ai retenu ? Pas de problème. Moi, ce que j'ai retenu dans ce message, c'est plus particulièrement le fait d'être vrai avec Christ, mais dans les coulisses. Donc, pas simplement d'être chrétien quand on vient à l'assemblée, dans les réunions, de suivre les systèmes, mais plus particulièrement, enfin, du moins ce qui m'a marqué et ce qui m'encourage, parce que bon, ces derniers temps, c'était difficile dans le secret à rechercher le Seigneur. Et du coup, c'est par rapport à ça que ça m'a marqué, parce que personnellement, ben, ça m'a parlé. Le fait de ne pas être chrétien devant les gens, mais devant le Seigneur, quand on est seul avec lui, de le rechercher et de prier. Enfin, d'être vrai avec lui dans le secret. Parce qu'il nous connaît mieux que les hommes. C'est vrai, voilà. Dieu nous connaît mieux que quiconque. Mmh. Et ben justement, avant de terminer, est-ce que tu auras un message à dire à toutes ces personnes-là qui, comme toi, essayent de suivre, de marcher selon les commandements du Seigneur ? Est-ce que tu as un message à délivrer ? Ben, la seule chose que j'ai à dire pour ne pas être fausse, parce que ben, c'est quelque chose que je vis, c'est de s'efforcer de tout dire à Jésus, dans le secret, nos défauts, tout ce qui ne va pas en fait dans notre marche, et de tout lui dire, et même les mauvaises pensées, tout ce genre-là en fait, de tout lui dire à lui, et en fait d'être vrai. En fait, vraiment, enfin, c'est ce que je dis le plus, mais c'est ce que je vis le plus en ce moment, donc c'est pour ça. Donc voilà, de se vider devant Jésus, et voilà. Ben, merci beaucoup, ma sœur. De rien. Bonne soirée. Gloire à Dieu. Merci.